Un grand jour pour Richard Branson. Et pour la société qu'il a fondée, Virgin Galactic, rebaptisée Virgin Galactic Holdings. Elle a fait ce lundi son entrée en bourse à New York, une première pour une entreprise proposant des vols spatiaux touristiques. La société a officialisé samedi sa fusion avec la holding Edosophia. Virgin Galactic touche désormais du doigt son objectif, la toute première virée spatiale touristique autour de mi-2020. Une virée de 90 minutes pour la modique somme de 250 000 dollars.